Salut à toute l'équipe, bienvenue à nouveau sur la chaîne, nouvel épisode pour le M50B26 de Guillaume. Là je suis en voiture, je vais fermer la fenêtre parce que ça m'évitera de gueuler. Voilà, je suis en voiture, il fait beau, on a sorti les bolides, oui messieurs dames, on a le droit aussi de se faire un peu plaisir, on n'est pas obligé de bricoler tous les jours, hein. Donc aujourd'hui Guillaume va nous dévoiler enfin son B26 de Frankenstein, comme on l'appelle dans le milieu. S'il arrive, hein, parce qu'il est, il vient direct de Chambéry là, donc normalement on doit se retrouver au garage. Alors on va faire quoi? On va refaire un petit récap des modifs, on va aller faire un essai routier bien entendu, je pense que tout le monde est là pour ça. Et puis on va voir si on survit à la journée, hein. Et voilà, ça s'annonce d'être une bonne après-midi, comme d'habitude, dans le garage du fun. En plus écoutez-moi ce beau bruit du V8. Voilà l'équipe, donc on se retrouve dès qu'on arrive au garage pour un épisode pour l'aboutissement de plusieurs mois de travail chez Guillaume, et on va voir si ça en valait la peine. Regardez les amis, je viens d'arriver au garage et qui on retrouve. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Elle est là en chair et en os. C'est bien elle. Est-ce que le trajet s'est bien passé? Bah j'ai la tête éclatée. Mais sinon ça va. D'ailleurs si tu peux parler doucement. Oui. Vous en avez rêvé, ils l'ont fait. Il l'a fait. On va se mettre dans un endroit un peu plus sympa pour vous présenter ce petit bolide. Putain, l'angle de braquage. Ok les amis, de retour, ça y est, on vous a trouvé un joli petit endroit et une place de parking de choix pour vous présenter le 326 de Guillaume. On va vous faire une petite présentation aussi pendant qu'elle est là de cette magnifique M3 E36. Avec intérieur cobra, tout le bordel. On y reviendra après. La priorité est la suivante. Guillaume. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on a pris du plaisir au volant de ce nouveau bolide? Ben, pour l'instant, la direction est mal réglée, mais oui, par contre, niveau moteur, là, il y a du plaisir. Alors, est-ce que déjà, on va... Ouvre le capot, s'il te plaît. Première chose, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas vu les précédents épisodes, vous pouvez aller les voir si la config vous intéresse. Ça s'affichera ici. Non, on sait pas trop faire ça. Mais donc, Guillaume, bon, pour ceux qui connaissent pas, est-ce qu'on peut rappeler rapidement la base du moteur, ce qu'on a fait? Donc la base, c'est un 320i première génération sans vanos, donc qui développe d'origine 150 chevaux. Et le moteur a été passé en 2,6 litres, donc avec un vilebrequin de 328 et diverses pièces, pistons, etc. Tous les vilebrequins de 328 sont les mêmes? Oui. Ok, donc les vilebrequins de 328 sont compatibles. En fait, tous les vilebrequins BMW sont compatibles dans n'importe quel bloc. Ok, donc vilebrequin de B28 sur un B20, ça passe. Ça permet de passer la cylindrée de 2 litres à 2,6 litres, on est d'accord. Et ça passe par la même occasion le taux de compression à 12. Ok, au lieu de 7,5 d'origine. Ok, très bien. Donc on a ça, c'est la modif principale, la base. Ce qui fait que ça, on est sur un 2,6 litres et plus un 2 litres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a un collecteur d'admission de B25. Alors, si on fait un petit peu le tour, on a le collecteur d'admission de B25, donc des 2,5 litres. On a un papillon en 68 mm au lieu de 64 mm. Ouais, donc tu as fait retailler le papillon. Voilà, j'ai fait retailler le papillon. Là on est tout en 3 pouces au lieu du 2,5 pouces d'origine en 3,20. Ouais. On a le débitmètre des 3,25. Ouais. Là c'est provisoire, le filtre à air, je ferai une arrivée plus tard comme il faut. Niveau interne du moteur, on a deux arbres à cam haute levée. Ouais, qui ont été retaillés. Ouais, c'est plus les arbres à cam d'origine. Ok. On a un collecteur d'échappement à longueur égale, avec un intermédiaire de 325i en bitube d'origine. Ouais. Et à la fin, on a un 4-back inox classique, un petit bout de ligne sans prétention. Ok. On a un volant moteur allégé. J'ai un volant moteur de 30, ouais, avec un démarreur de E30 qui est compatible. Ouais. Et embrayage stage 3 de E30. Ok. Et c'est l'embrayage, il a 6 patins d'un côté et de l'autre côté. C'est un hybride en fait. Okay. Il a 6 patins en carbone kevlar ou en kevlar, je crois, d'un côté. Et l'autre côté, c'est de l'organique origine pour donner un feeling. Bon, de toute façon, on le voit dans une précédente vidéo. Vous allez voir l'essai routier. Si ça vous plaît, vous pourrez aller voir la config. Normalement, il y a toutes les réponses aux questions, les gars. Ouais, pour les budgets, mais grosso modo, est-ce que tu peux annoncer une fourchette Grosso modo, t'as une idée? Main d'œuvre, parce que c'est moi qui fais tout. Ouais. C'est entre 2 et 3 000 euros. Juste en pièces? Juste en pièces. Après, je compte... si on enlève un peu des petits bouts de train avant, peut-être 2005. Bon, ça fait déjà un petit billet, mais bon, pour partir d'un 320i qui aujourd'hui coûte presque que dalle finalement, quand tu regardes par rapport à un B25 un moteur, ou n'importe quoi. 200 euros, 300 euros d'occasion. Oui. Donc là, on part sur, comparé à un 325 qui coûte à peu près entre 800 et 1000, en 100 vanos, je parle. Et puis là, on n'est plus du tout sur un 320, quoi. Même c'est bien plus puissant qu'un 325i avec quelques modifs. Hein. Enfin, ça, c'est ce que nous allons voir, Guillaume. Plus tard, mais après, on peut parler un petit peu de l'habitacle. Oui. Qu'est-ce que nous avons? Moi, je vais m'installer. Ce sera. Prenez place à bord de ce race car. Déjà, on est full vidé, hein. Il n'y a plus de blackson. Vidé, déplaxonné. Ah. Putain, on est droit aussi. Et après, c'est classique. On a le volant tulipé, les manomètres. Pression, température, eau, huile, etc. On a un short shifter AliExpress qui se défend pas trop mal. Oui. On a un frein à main hydraulique qui est, lui, par contre, au niveau du freinage, c'est peut-être un peu à revoir. Et voilà, sinon c'est tout simple, hein. 2 baquets, 2 supports baquets faits sur mesure, vidage de la caisse. Ah oui, pour ceux qui vont demander, la platine de frein à main est faite comme ça. C'est du sur-mesure, c'est découpé numériquement dans de la tôle et après c'est soudé sur le passage de l'axe de transmission. Le tunnel de boîte, dirons-nous. Très bien. Est-ce qu'on peut démarrer? Bien sûr, les clés sont dessus. Très bien. Regarde si t'as pas une vitesse. J'ai regardé, Guillaume. Ah oui, il y a un truc aussi qu'on n'a pas précisé sur le moteur, c'est que les cylindres blocs ils sont durs, mais comme je pense que ça ressemble à de l'alu, donc on ressent absolument toutes les vibrations à l'intérieur. C'est la première fois, hein, en plus que je la vois roulante et que je m'assieds à son bord. C'est vrai que ça fait... C'est abusé le... Bon, on va voir l'extérieur un petit peu. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous allez vous rendre compte des bruits à l'intérieur de la caisse. Mais... Et encore, on est à l'arrêt. Oui, on est aussi, comme toute bonne caisse de drift qui se respecte, le pont est soudé. Le pont est soudé, j'avais un autobloquant au début, qui a d'ailleurs à vendre, voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, autobloquant en 168 à vendre, si jamais. 168, ouais, parce que c'est un 320i, donc j'ai encore la taille de pont d'un 320i. Et du coup, j'ai remis celui d'origine que j'ai soudé, parce que je préfère le feeling. Et là, on a un ralenti... Je sais pas si... On va attendre... Oh, ça sent l'essence. On dirait que le ralenti est instable, mais c'est pas le cas en fait, c'est juste les arbres à cam ont beaucoup de croisements. Et du coup, à bas régime ou au ralenti, ben, ça rend le moteur bancal. On n'a pas l'impression que c'est un 6 cylindres. Je dirais plutôt un V8. Ça y est les amis, on est à bord. Allez, harnaché. On est parti. On va voir ce que ça dit les premiers tours de roue. Enfin, pour ma part. Hein. Les manos fonctionnent. Ah, t'as combien en pression d'huile d'ailleurs? Au ralenti, j'ai à peu près un bar et à 3005 huile chaude, j'ai 3 barrettes. Bonjour. Bonjour. verrouille bien. En fait, c'est ça, t'as l'impression vraiment d'être dans la boîte. Pareil, on va voir un petit peu, on arrive à un rond-point là. Ouais, mais bon, il y a du monde. Ouais, laisse tomber. Ah. Ah, ça part si c'est ce mec. Hein. Les pneus sont bons là? Ah, ils sont pas bons. J'espère que vous nous entendrez avec, avec le bruit et le bourdonnement, mais bon. Ouais. Ah bah je vais pouvoir me mettre dehors. Ah, ça va me rappeler mes mauvais souvenirs. J'avais moins la sensation, mais là sur une route un peu étroite, ouais, c'est tu sens que ça fait un coup de pied de ouf, hein. Ouais, ouais, bah c'est une grosse route, on dirait pas, on était déjà à 150. C'est abusé. Est-ce qu'on est content? Ah bah là, oui, on peut pas être plus heureux. C'est brutal en fait, oui, c'est un truc de ouf. Bon, après une petite caméra embarquée, je vous montre vite fait de quoi il s'agit d'extérieur. Voilà. Bon les gars, on pouvait pas passer à côté de ça sans vous la montrer parce que franchement elle est clinique de malade. C'est une beauté. Oui, elle est donc, Guillaume c'est mieux que moi, c'est un 3,2 litres, c'est ça? C'est un 3,2 litres, donc c'est les toutes dernières produites. On a les clignotants blancs, etc. C'est la boîte 6 en manuel évidemment. De toute façon je crois que les M3 E36 sont tous en manuel. Y a pas de SMG. Et je sais pas si on voit bien mais en fait elle est violette et quand elle est propre c'est magnifique la couleur. À l'intérieur... Ouais, si on le voit. Pour les projecteurs, ça ressort. Mais surtout qu'il y a une config qui est ouf. C'est qu'il y a un intérieur cobra blanc qui est en très bon état aussi. Ça s'ouvre comment? Je pense pas qu'il a la centralisée. Ah. Je vous fais un petit tour. C'est un coupé. Bon, bah de toute façon, oui. J'ai remarqué, bon, il y a quelques petits points de rouge. C'est une voiture qui a quand même presque 30 ans, enfin 25 ans comme les nôtres. Mais putain, ça, franchement, je pense qu'à l'époque, celui qui posait ça, mec, ça devait être fou. Et ça devient dur d'en trouver d'origine et en aussi bon état. Grave. Bon, on a une grosse faute de goût concernant le pédalier, mais ça, on n'y est pour rien. Ah, j'ai jamais testé l'intérieur Cobra, on va voir. Mais en tout cas, elle est vraiment très propre. On va se caler dedans. Ah! C'est pas mal hein, le Cobra, les Cobras. Donc boîte 6, oui. Petit covering sans prétention. J'aime pas trop moi, mais bon, c'était peut-être du bois, c'est toujours plus joli que le bois, je pense. Ouais. Oui, parce qu'en fait c'est le garage où on bosse qui ils ont fait une reprise là-dessus. On a même le petit autocollant d'origine. Et 100 95, hein, minimum. Donc ouais, voilà, elle est magnifique. Bon, on va ouvrir le capot quand même. On va pas aller rouler avec, malheureusement, parce que les papiers n'ont pas encore été faits, etc. Puis c'est pas à nous, donc on voudrait pas... Puis bon, on a quelque chose qui pousse autrement plus que ça. Maman. Putain. On peut voir la grande diff, hein. Les 6 papes. Bah c'est ça, magnifique. La différence principale et les 2 vanos. Ah oui, double vanos. Putain, ça rigole pas, j'ai jamais vu. À l'époque, c'était pas loin d'être une première, les 2 vanos sur un moteur. Ah ouais, oui. C'était peut-être même une première. Bon, en tout cas, voilà, pas grand chose à dire, juste qu'elle est magnifique. Et que ça fait plaisir d'en voir des comme ça. J'ai hâte de pouvoir tester un peu, parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Bah, je pense que les abonnés vont vouloir monter dans ce véhicule. Est-ce que tu ferais pas gagner un petit baptême en passager? Bah si, on peut faire un petit tirage au sort pour la prochaine sortie. Roulage. Quand est-ce qu'on te voit sur circuit, Guillaume, d'ailleurs? Ben, février, je pense. Première date que je chope de dispo. Je crois qu'il y a une date le 22 février au Bugey. Donc pour reprendre la main un petit peu sur du mouillé. Ouais. Et puis après, ben, pourquoi pas les tester sur sec, hein. Grave. Bon l'équipe, j'espère que ce petit reportage vous a plu. Là, ce que vous pouvez voir, donc c'est l'aboutissement de un de nos 2 gros projets. Enfin, c'est des projets perso, donc évidemment, on donne tout ce qu'on a. Il y en a déjà un qui est fin fou. La voiture est prête. Il reste une petite géométrie à faire avant de se retrouver sur circuit. De mon côté, moi je vous le dis. Enfin, je pense que vous avez vu, c'est de la bombe. Franchement, en passager, ça pousse fort. Donc voilà, on va vous laisser là-dessus. Abonnez-vous, partagez toujours, Guillaume. Donnez de la force. Donnez de la force à cette petite tête. Et surtout... Ça aurait été bête de faire des projets comme ça dans notre coin sans en faire partager. En fait. C'est ça qui est bien. Nous, c'est ce qu'on voulait faire à la base. Là, ça y est, c'est fait maintenant. Vous voyez en plus que ça roule. Ça parle pas chinois. Ça parle pas chinois, exactement. Mais bon, donc voilà, on va se laisser là-dessus. Et puis on se retrouve, je pense que la prochaine vidéo du B26, ce sera peut-être pour les réglages géo. On verra si on fait une vidéo ou pour châssis. Et puis après, ce sera sur circuit. Donc dès qu'on a la date, on vous la donne. Et puis j'espère que vous allez venir nous voir quand même. Parce que derrière un écran, c'est toujours bien. Mais en vrai, on va encore plus délirer, je pense. Et ça permettra de mettre un petit peu des visages sur tous ces pseudos. Voilà les gars, à plus. Allez, ciao. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.